Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, vidéo revanche, invocation pour les 50 Dragon Ball Legends. On ne pouvait pas rester sur un échec. Si vous ne l'avez pas vu, je vous spoil. Eh bien, à la précédente vidéo invocation, nous n'avons pas obtenu le Goku Tag Freezer, qui est l'unité vedette de la première partie du 5e anniversaire de Dragon Ball Legends. On n'a pas réussi à l'obtenir, on a fait deux steps. Malheureusement, la chance n'était pas avec nous. Donc on espère qu'elle sera un peu plus généreuse aujourd'hui. On va tenter eh bien, de repartir, non pas bredouille, mais avec l'unité vedette cette fois-ci. Donc le Goku Freezer Tag, incroyable. D'ailleurs, je vois, il y a le Jiren aussi. Impossible de le faire tomber. On a obtenu tout le détecteur, hein, parce qu'en deux steps, on a obtenu 6 LF. C'est juste énormissime. Tout le portail, sauf ce dont on avait besoin. Ce dont on voulait. Donc malheureusement, bien triste. Mais écoutez, je fais une revanche aujourd'hui. Nous avons 5000 cristaux. Et bien, on va péter les deux steps de toute manière. Et puis ensuite, on essaiera de farmer dès que possible pour la deuxième partie qui, normalement, je crois, arrive avec un ultra. Donc voilà, si vous voulez commencer à économiser, c'est le moment. Voilà, ne refaites pas ça chez vous non plus. Sachant que moi, j'ai farmé gratuitement. J'ai pas mis d'argent dans l'anniversaire pour l'instant. J'espère vraiment qu'il y aura de quoi farmer parce qu'actuellement, c'est pas non plus incroyable en termes de cristaux à récupérer. Je trouve, bon, c'est... Il y a quelques petits trucs, quelques petits événements à gauche à droite, mais c'est pas non plus la folie. Donc, j'espère qu'il y en aura un peu plus par la suite. En tout cas, si vous kiffez la vidéo, vous savez quoi faire, vous bombardez le pouce bleu. Dans les commentaires, si vous faites une revanche invocation que vous avez réinvoqué, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez obtenu, parce que sur la première vidéo, j'ai vu vos messages. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de commentaires, mais j'ai vu que dans l'ensemble, vous avez quand même plutôt bien drop, donc félicitations à tous. Pour ceux qui n'ont pas drop, parce que j'en ai vu aussi qui ont mis des 20K, 30K, qui l'ont même pas obtenu ou qui l'ont obtenu une fois, je sais que ça dégoûte, mais voilà, courage à vous, et puis j'espère que la chance vous sourira assez rapidement. Maintenant, pour aujourd'hui, à cet instant T, la chance, il faut qu'elle soit ici, nulle part ailleurs, je veux qu'elle soit ici. Donc écoutez, on y va, multi avec extrême ou plus garantie ici, ça coûte 1000. Eh bien, allons-y. Go, Go claquer les 1000. C'est parti, du coup. Bim, 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 bim. Envoie les téléchargements. Déjà, je vois, il y en a pas mal des téléchargements. Moi, j'aime bien quand ça commence comme ça. Si on pouvait éviter d'être sur Namek classique, ça m'aurait arrangé. Bon, il y a eu Taïwo Pai Pai, mais... Pai Pai, on sait que ça garantit pas grand-chose. Pas de capsule, du coup. Ici, c'est une égalité. Il faudrait qu'on ait une animation avec un Broly. J'ai peur que ce soit juste un Kamehameha poussé ou un crise cardiaque. Ouais, voilà, c'est crise cardiaque. Donc... zéro animation sur cette multi-invocation, si ce n'est qu'il y aura un sparking, ça oui, mais en soi, c'est pas du tout garanti un sparking comme on l'entend, comme on le voudrait, genre un duo tag, quoi. Par exemple, ce genre de choses. Alors, on va voir, télé-lé-lé-ling, ok, KB, KB, bon, pourquoi pas. Alors, est-ce que c'est le seul sparking ou est-ce qu'il y en a un deuxième dans la vidéo? Voyons voir, enfin, dans la vidéo, dans la multi-invocation, rien à voir, moi, dans la vidéo. Non, ça n'a pas l'air. Et ici, Ginyu. Attends, il en reste un dernier. Non, bah en fait, on n'avait qu'un sparking là-dedans. Et puis bon, KB en soi, que j'ai déjà ouais, bah en plus 5. Et du coup, qui passe en plus 6. Donc là, en vrai, en termes de rentabilité, bah, 0. Malheureusement, c'est dommage parce que j'aime bien ce genre de multi-invocation. En général, ça, moi, c'est celle qui me porte le plus bonheur. C'est là où je drop. Bah là, rien du tout. Mais c'est pas grave puisqu'il nous reste encore deux multi-invocations dans ce step. Première multi dans le vent, deuxième payante. Eh bien, 3, 2, 1, allez. Allons-y. Allez, je t'en supplie. Oula. Ok, allez. Bombarde, 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 bombarde. Le glacier ou le ciel? Le ciel, je ne l'ai pas eu, je crois, encore. Ouais, je ne l'ai pas eu, le ciel. On a encore Namek classique. Vegeta, c'est une animation nulle. C'est nul, Vegeta, c'est nul. Franchement, c'est nul. Maintenant, quand tu vois Vegeta, tu sais que tu as un sparking, mais... vas-y, il garantit rien, Vegeta. Il est là, il fout la merde, en fait. Ok, ici. Ah, bon, j'ai rien dit. Kiawei, alors, je sais pas comment ça se prononce. J'ai vu beaucoup de monde me dire qu'elle était extrêmement balèze. Donc, écoute, je prends. Ça fera des étoiles supplémentaires. Ok, deuxième sparking. Allez. Végéto. Oh, le jaune. Putain, il était à l'ancienne, lui. Mais je l'adorais. Lui, qu'est-ce qu'il était fort à la sortie aussi. Une de mes unités favorites en sparking classique de l'époque. Extrême Vados. Ok, je l'avais pas, celle-ci. D'accord. En vrai, elle avait un petit flow, là. Elle avait un petit flow, ok Hero. Alors est-ce qu'il y a un autre sparking qui se cache? Je pense pas, parce qu'on en a eu quand même deux là-dedans. Videl, extrême ou plus. Le Goku, j'aime bien la carte, en vrai. Et ça se termine. Là-dessus, du coup, elle passe 6 étoiles. Bon, bah écoutez, j'espère que c'est rentable. Après, il faut voir dans quel team je peux la jouer aussi. Hein, c'est surtout ça, faut voir comment je peux la jouer, mademoiselle. Mais allez, on prend. On va dire que cette multi-invocation, elle est déjà un peu plus intéressante que la précédente. Mais toujours pas de tag en vue. Eh bien, nous allons passer sur la multi gratuite, et en espérant eh bien, avoir un petit peu de chance. La gratuite en général, ah, la gratuite c'est compliqué en général, mais allez, allons-y s'il te plaît, une animation, un truc. Ah, rien du tout la chance. Oh là, il n'y avait même pas Vegeta, pas d'animation, pas de capsule, pas de Goku en Super Saiyan.
Ici, c'est une égalité. Ça sent le... Oh là là, ça sent la multi zéro sparking, ça, non? Ça sent la multi zéro sparking. Oh, ça pète au milieu. Dis-moi qu'il y a un truc. Même pas. Oh, il n'y a rien. Oh là là, j'ai envie de cliquer sur le passé parce qu'il n'y aura rien. Là, il n'y aura vraiment rien dans la multi, les gars. Regardez, 3-2-1. Il y a eu un truc? Ouais, il y a eu un... Ouais, ok, super. Regarde la multi, hein. Franchement, pff. Oh, la multi. Oh, je savais d'avance. Oh là là, oh, la multi terroriste. Ah, ça, c'est vraiment une multi terroriste, hein, pour le coup. 500, 700, 1000, 1000. Attends, j'ai combien? Moi, j'ai 3000, 2000. Attends, je crois que j'ai même pas assez pour finir le step, non? Oh, je crois qu'il va falloir que j'aille farmer. Bon, tu sais quoi? On continue. Et ensuite, on verra. C'est vrai qu'on aura 5 pièces aussi, d'ailleurs. Allez, la multi 500. J'en attends rien du tout. Les multi 500, je déteste ça, pour le coup. Je vais pas vous mentir. C'est vraiment quelque chose que je... Voilà, je drop jamais là-dessus. J'ai jamais rien d'incroyable. Donc, je m'attends à rien sur les multi 500 comme ça. Même celle à 700, hein, je trouve que c'est trop peu pour aller chercher quelque chose. Soit il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Ok, c'est rouge, crise cardiaque. Bon, il y a un sparking quand même. Hein, tu me diras, il y a quand même un sparking qui tombe dans le lot. Mais ouais. Alors, voyons voir. Celle. Ok, donc c'est multi 5. Hein. Donc 3. 4. Et du coup, le sparking, il est ici. C'est qui? Oh, Vegeta. Putain, alors, j'adore la carte. J'adore la carte, mais... Aujourd'hui, est-ce que lui, tu le joues encore? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, bah écoutez, là-dessus, on savait de toute manière, on savait. On savait, on savait. Donc on y retourne, c'est parti. Et ouais, il va me manquer un peu. Bon, après, en soi, j'ai des events à côté. Là, en 10 minutes, même pas, je vais farmer vite fait. Je vais récupérer ce qui manque et let's go finir le step. Hein. Donc là, c'est multi 700. Hein. Oh, SSJ Blue quand même, ok. Alors SSJ Blue, c'est 2 sparkings. Hein. SSJ Blue, est-ce qu'on peut avoir Broly sur SSJ Blue? D'ailleurs, j'ai vu vos commentaires avec le glissé arc-en-ciel, du coup, qui garantit le... Ok, prends ça dans ta tête, il va faire une crise en face, non? Même pas, ça va pousser. Alors, j'ai vu vos... ouais, il va pousser. J'ai vu vos messages comme quoi le glissé, s'il est garanti... Enfin, si c'est arc-en-ciel, du coup, c'est LF garanti. Hein. Ça, c'est cool, en vrai. Equan, allez, premier sparking ici. Oh, le Goku GT rouge, si je dis pas de bêtises, il date un petit peu, lui, mais en vrai, pourquoi pas. Bouta, Bouta, ok. Vados. Non, là on est à 5. Donc le deuxième sparking. Vegeta SSJ 4. Ah ouais, là on est sur une team full GT, là, dis donc ici. Full GT en balle. Dire que le Vegeta, je l'ai à peine en plus 2. C'est à ce moment-là du jeu quand même. C'est pas non plus énorme. Hein. À l'époque, j'ai eu beaucoup de mal, je crois. Alors peut-être que je l'ai drop au départ. Mais aller récupérer des doublons, je crois que c'était catastrophique. Bon, eh ben écoutez, alors on va faire la dernière multi avant de devoir aller farmer 200 cristaux, enfin un peu moins 120, donc en vrai ça va se récupérer rapidement. On va faire la multi extrême ou plus garantie, et on va espérer avoir un petit peu plus de chance que sur celle de tout à l'heure qui était vraiment cataclysmique. Allez, je t'en supplie, maintenant, c'est ici que j'invoque le seul, l'unique, le doigt de la justice, c'est maintenant ou jamais. Allez, please, je t'en supplie. Ok. Est-ce que ça garantit quelque chose si ce n'est sparking, ce truc? En vrai, je crois que c'est pas non plus incroyable. Égalité. Est-ce qu'il peut y avoir un Broly? Oh, c'est un Genki! Ok! Habitant de la Terre! Balancez votre énergie! C'est le moment! Dans ta gueule, Freezer! Excusez-moi, je suis un peu grossier, je devrais pas, mais c'est pas grave. C'est juste parce que j'ai le plaisir d'avoir une animation ici. Allez, je t'en supplie. Une belle animation pour une belle unité. Ça régalerait. Sur un Genki Dama drop, ça serait incroyable. Goten Petit, ok, sparking ici. Oh, Gotenks SSJ 3. Ah, c'est vieux. Je l'aimais beaucoup, lui. Mais c'était en 2000... C'était quoi, lui? C'était 2019, 2020, non? Je sais même plus. Deuxième sparking. Trunks. Ah, lui aussi. Qu'est-ce que je l'ai aimé, ce Trunks. Oh là là. Ah, ce Trunks, pareil. Il fait partie de mes unités favorites. Sparking hors LF, bien sûr. Le Trunks violet. Je l'ai joué un long moment. Et qu'est-ce qui fait mal? Je crois qu'il se transformait, lui, en Super Saiyan. Qu'est-ce qui faisait mal, ce Trunks? Incroyable. Bon, bah écoutez... la faute a pas de chance, j'ai envie de te dire. Bah, il nous reste 2 multi-invocations à faire, techniquement. Bah, tu sais quoi, déjà, avant d'aller farmer, au moins ça sera fait. Je vais prendre le ticket ici. Le ticket. Est-ce qu'on peut avoir un peu de chance sur un ticket ou pas? Ok, Namek enflammé. Ouais, alors je m'attends à rien du tout. Super Saiyan direct, par contre, avec les boules de cristal en l'air qu'ils ont explosé. Lancer du dragon réussi, ouais, mais c'est logique parce qu'en même temps, on a un sparking garanti. C'est un Genki... Ah non, même pas, c'est un Kamehameha téléportation. Est-ce que Kamehameha téléportation, ça garantit un truc ou pas, en vrai? Si ce n'est Sparking, est-ce que ça garantit un détecteur ou pas? Je pense pas, mais bon. Alors, pas du tout, hein. Alors là, pas du tout.
Ah bah écoute, allez, viens, on va farmer tes 120 cristaux et tu reviens nous voir ensuite. Allez, je reviens les gars. Il y en a pour, je sais pas, 10 minutes, non, 120 cristaux, ça devrait aller vite. Dans 10 minutes, on se retrouve même pas, enfin pour vous, dans quelques secondes. Et let's go pour faire les deux dernières multi-invocations d'aujourd'hui. C'était une question de 10 minutes, pas plus. Eh bien écoute, on est de retour. Allez, il nous reste deux multi-invocations du coup à faire après avoir récupéré les 120 cristaux qui nous manquaient approximativement. Eh bien allons-y. Donc multi, c'est quoi? Juste, ça nous dit, il n'y a rien, si ce n'est que la prochaine, elle est gratuite. Eh bien allons-y. Allez, let's go, c'est parti. Je t'en supplie, il reste deux multi-invocations pour faire tomber ce duo tag Freezer Goku. Eh bien, c'est peut-être le moment ou jamais d'avoir une animation pour espérer un petit quelque chose. Autant la semaine dernière, enfin quand j'ai invoqué, du coup, j'avais des animations, j'avais du LF. Autant aujourd'hui, pas un seul LF, pas une seule animation jusqu'ici. Est-ce que c'est pas le moment? Eh bien malheureusement, c'est une égalité ici. Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est rouge? C'est bleu, c'est dégueulasse. Et ça va faire quoi? Oh non. Ça va faire qu'on va la subir. Est-ce qu'il y a un Végéta? Il y a quelque chose qui vient? Même pas? Rien? Oh, la multi. Oh, la multi désastreuse. Bah, il n'y a rien. Limite, j'ai envie de cliquer sur passer parce que bah, je sais que là, il y aura rien du tout. Donc là, je suis allé farmer mes 120 cristaux pour ça, pour une multi comme ça. Une multi, même pas de sparking, deux extrêmes. Waouh. Et donc, du coup, tout va se jouer sur la dernière. Est-ce que j'aurai ce duo tag ou pas? Tout va se jouer ici sur cette dernière multi-invocation. C'est l'heure de vérité. Est-ce que... on est ruiné et en plus on n'a pas l'unité? Ou est-ce qu'on est ruiné et on arrive à l'obtenir? Eh bien allons-y, c'est la dernière. Je ne fais pas durer le suspense. Je vais tenter ma cabriole de la dernière fois. Dis-moi juste qu'il y a du télécharger. J'ai cliqué, c'est parti. Allez. Boum. Ok. Le téléchargement était plutôt long. Oh non, il n'y a pas une capsule. Oh, il n'y a pas une capsule. Il n'y avait rien. C'est Namek normal. Égalité ici. Glisser bleu. Oh, j'ai pas le droit au bonheur sur ce jeu. Ah, enfin, même sur aucun jeu, en fait, j'ai pas le droit au bonheur. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop. J'ai les mêmes unités depuis décembre. Putain, merde. Allez. Allez, un truc, un miracle, j'en sais rien, même un Végéta qui vient, je suis preneur là pour le coup. Même pas, ça explose dans les mains, j'ai envie de faire passer. Franchement les gars, il n'y a pas de suspense ici, on le sait d'avance. J'aimerais qu'il y ait un suspense, mais là, il n'y en a pas. Allez, je clique, de toute façon, il n'y a pas de... Regarde, même pas un sparking, deux multi, oh, deux multi pour ça. Oh là 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 là, la catastrophe, oh, c'est un délire. Oh, j'ai rien drop depuis décembre, enfin c'était décembre je crois, le duo tag Goku Vegeta SJ4. Peut-être que c'était un peu après, peut-être janvier, grand max. Mais c'était dans ces eaux-là et depuis, ben, plus rien sur DB Legends. Waouh. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Hein. Et là, pourtant, c'est pas faute. Hein. En gros, j'ai mis... j'ai fait combien? J'ai fait 4 steps. Donc je sais pas ça fait combien de cristaux du temps. J'ai fait 4 steps au total pour ça. En vrai, ça rend fou. Vraiment, les trucs comme ça, ça rend fou. Vraiment, c'est pas normal, quoi. Vraiment, c'est pas normal. De pas drop comme ça... t'imagines que j'ai quand même claqué, donc l'équivalent, je pense, approximativement dans les 12 000 cristaux, là, quelque chose comme ça, pour 4 steps, pour même pas avoir une unité qui est intéressante. Enfin, à part les unités, là, le commandant Casseral, je sais même plus comment il s'appelle, et l'autre, là, Kiaway, un truc comme ça, Freeway ou je sais plus quoi... Tout ça, 12 000 cristaux pour avoir deux exemplaires de ça, bah non merci quoi en fait. Non, ça, en fait c'est pas motivant, je suis désolé, mais c'est pas du tout motivant, ça donne pas envie de continuer. Et surtout, comme je disais dans la précédente vidéo, c'est que c'est un gacha game, t'as des nouvelles unités qui arrivent, t'as envie de jouer également avec de nouvelles unités, forcément, t'as envie de te renouveler, t'as envie de découvrir autre chose, et en fait, ben non, t'es obligé de jouer, enfin c'est pas t'es obligé, mais quasiment pour suivre un PVP, en tout cas par rapport à mon niveau de jeu. Je suis obligé de jouer la même team depuis décembre, quoi. J'ai pas le droit de jouer autre chose, quoi. Ouais, c'est frustrant. Clairement, oui, c'est frustrant. Ça me fait chier. J'aimerais bien pouvoir jouer autre chose, mais non. Bah non, bah non. Bah c'est comme ça, on drop pas. Bah écoute, session farming activée. On se revoit sur la deuxième partie du 5e anniversaire, hein, parce qu'on va pas en rester là. On ira au moins faire un step sur la deuxième partie. J'imagine que ça sera un ultra, donc on verra à ce moment-là qui c'est. Et puis on croisera fort les doigts
pour avoir eh bien un petit peu de chance. Voilà, en tout cas, vous, si vous avez drop, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Encore une fois, moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien. On en a besoin du soutien, là. Il va être important. Et puis, on se capte à la prochaine vidéo sur DB Legends où on aura l'occasion eh bien de drop, je l'espère, et si possible, de faire des multi-invocations de qualité. En tout cas, merci à tous. Passez une excellente fin de journée. Voilà, jouez bien, farmez bien, invoquez bien et rendez-vous très rapidement pour la suite. Ciao les gens !